plus du tout où on en est. Attendez, je vais relancer la VOD. Hop. Voilà, donc c'est parti pour du Metroid Prime. Super cool, génial. Hop. Oula. Bon, ça m'a l'air relativement prof. Donc, normalement, on vient d'obtenir le rayon de glace. Si je ne dis pas de bêtises. Mais je suis déjà en rayon de glace. Attendez, parce que c'est... Voilà. Hop. Donc ça nous emmène où? Secteur sud à la surface de Talon. Donc ça, on n'y est pas encore allé. Les ruines chorizo dans la version espagnole. Exactement. Ok. Si en fait c'est peut-être plus beau que la dernière fois. T'as dit de la merde. Par contre ça lag un petit peu de temps en temps. Faut que je règle ça. Bon par contre ce tir là est très lent. C'est quand ton ami fait la suite des Tactics. Je sais pas. Un jour peut-être. Qui sait. Ouais. Peut-être modifier 2-3 trucs parce que ça lagouille. Alors. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle peut plus afficher la... T'es sûr qu'elle est bien connectée? Non, bien sûr, elle est changée. Il perçoit qu'il y a un signal. Attends, j'y arrive. Il affiche... C'est le même problème pour brancher le PC en fait.
Casse les couilles. Non mais ça m'énerve là, il y a ma télé, il y a un port HDMI qui fonctionne plus, on sait même pas pourquoi. Genre du jour au lendemain, il se met à plus fonctionner. Pour aucune putain de raison. Mais toute neuve la télé, mais ça me fait chier de... Enfin... Surtout que c'est... On l'a acheté chez mes parents... Enfin, elle a été achetée chez mes parents, donc... c'est la galère. Le bain des yeux. J'ai pas de truc pour le bain des yeux. Attends. Bain des yeux, c'est quoi déjà? Lance missile, soufre et radion. Combo. Cordite. Super missile, c'est cordite. Ouais, non, bain des yeux, j'ai pas. Bain des yeux, on n'a pas, donc c'est pas par là qu'il faut qu'on aille. Très bien. Ah mais il y a d'autres entrées en fait. Je suis en train de voir. Il y en a une là derrière, mais ça, à mon avis, ça va pas être accessible. Ah. Il y a des trucs en dessous. Est-ce qu'on peut y accéder en dessous? Par ici, oui, tout simplement. Ah mais non, qu'est-ce que c'est encore? Non, parce que je vais faire. Mais oui, elle est encore sous garantie, logiquement, puisqu'elle est toute récente, donc... Se trouve de l'autre côté. T'es morte. Bon. Y'a rien là? Oh, tu te fous de ma gueule. Pourquoi ça lag là comme ça? Oh là là. Ah, t'as un nouveau taf. Ah, c'est bien du coup. T'as pas encore bossé. Ah mais y a... attends. Non. Non, je peux pas passer par là. Je peux pas passer en fait.
parce que là, je suis pas passé en dessous. À moins qu'il y ait un truc qui me puisse permettre de le détruire, non? On est bien d'accord, c'est le seul endroit où je pouvais aller, de toute façon. Comment je fais pour aller là-haut? Chargé de projet, c'est bien ça, non? Y a pas moyen de passer par là? Ah, oh, ça va me gonfler. Tout me gonfle ce soir, c'est dingue. Bon, on va essayer de passer par un autre endroit, parce que de toute façon... J'ai l'impression que c'est pas par là qu'il faut passer, mais en tout cas, maintenant qu'on a le truc de glace, normalement, il y a d'autres endroits par lesquels on pourrait en CDD. Bah, hey, c'est toujours mieux que rien. Hein. Bon, alors... Arrête de laguer. Arrête de laguer, je vais te niquer. Pourquoi tu lagues? Pourquoi tu lagues? J'en ai plein le cul. Pourquoi ça galère comme ça? Ça va pas galérer comme ça à chaque fois que je mets la caméra quand même. Enfin, à chaque fois que je mets la map.
Rassurez-moi. Bon, on va aller par là. Il y a plein de trucs à activer avec le laser de glace. Je passe une bonne soirée. Je joue un jeu que j'aime bien. Je passe une bonne soirée. Bon. Oula. Ça recommence. Et ils sont deux cette fois-ci, il y a deux histoires. Il y a trois histoires. Ah, c'est l'enfer, ces ennemis. Bonjour, vous avez appris à pas être loup. J'en ai tué un? Non? Puis en plus, ces ennemis qui bougent, c'est la meilleure idée. Hein. Oh, enfin! Et d'un. Deux. Et le troisième, entre toi. Oh. Ah ouais, non, non, mais je veux pas savoir ça, Wolf, je veux pas savoir. Alors, non. Oh non, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, vous êtes tous mis d'accord! Ah, et puis voilà, et quand tu te prends un coup, ça arrête ton tir. Tu vois, autant je dis, ce jeu est cool, hein. Je dis pas, mais autant il y a des phases comme ça, tu vois, où t'as juste envie de péter un câble. Allez! Merci. Bon! Où on en était? Mais on est déjà venu ici en fait. Donc on a juste ouvert un autre passage. Très bien, soit, je prends. Par contre, s'ils reviennent à chaque fois que je suis là, je vais me fâcher. Oh, ils reviennent à chaque fois. Oh là là là. Oh les relous. Mais je tourne en rond. Mais c'est génial. Ah, mais c'est par là qu'il fallait que j'aille en fait.
Mais oui. Ah non, attends. Salut Krakatmos. Comment ça va? Ça, ça fait une heure que je suis sur le truc et j'ai à peine de commencer à jouer au final. En fait, faut les viser à la main. C'est pratique quand tu les vises à la main. Oh non, mais il m'annule mon tir. Vous bougez trop vite. Et de 1. Alouette, gentille alouette. Van qui ta grand-mère. Je m'amuse. Ça ne se voit pas, mais présentement, je m'amuse. Surtout qu'ils n'apparaissent même pas là où ils ont disparu. T'es où? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Ah, oh, quand même. Fais des construits. Je fais des construits, je fais des construits. Et c'est encore Botleu. Montre ton talent à la France entière. Mais je l'ai déjà fait ça. Mais je l'ai déjà fait. Alors, bon. Maintenant qu'on a le tir de glace. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Ouvert un nouveau chemin. Salut Néphidrim, comment on va? Un jeu de bowling et tir, mais oui, mais c'est tout ça à la fois. Ça qui est beau. Oh, oui, mais oui, ça je veux bien. Ça je dis oui. Voilà, ça oui. Oui, tu vois, là ok. Là d'accord, on discute. Ah, merci. La clé P, elle est là. Elle est là. Parce que je peux pas la mettre autre part pour l'instant. Alors par contre, pourquoi est-ce que ça lag? Attendez, je vais chercher.
Et personne peut trouver la solution. Attends. Oh, ça m'énerve, c'est toujours en anglais. Putain, j'ai pas de mal avec l'anglais, mais c'est chiant. Mais putain, hey, t'es relou. Là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ma bite? C'est ma bite, ça peut-être? Ah, mais je suis en OpenGL! Ah, mais tout s'explique! Attendez, je vais aller sauvegarder. Je suis en OpenGL depuis tout à l'heure, c'est pour ça que ça merde. Oh là là, et d'un coup, il comprit. D'un coup, il comprit, son monde s'est éclairé. Attends. Hop. La bouboule. Voilà. Hop. Voilà, j'ai sauvegardé, tout va bien. Hop. Oui. Donc, configurer. Hop. Hop, graphisme. Voilà, DirectX 11. Merci. Ah. Ça devrait galérer moins. Les pirates de l'espace, t'inquiète, on en a eu quelques-uns, mais pas... C'était quand t'étais pas là, malheureusement. Les pirates de l'espace. Ah, et qui DirectX 11, normalement ça devrait fonctionner nickel. Bah voilà, là ça fonctionne. Merci. Eh, faut que t'ailles à Fendrana, regarde, c'est là-bas. Ah, et du coup, je peux y accéder maintenant. Alors, par contre, ça m'emmène où? Sud des cavernes de Magmour. On ira après, ne t'inquiète pas, je vais y aller. D'abord, laisse-moi explorer ici. Voilà, tu vois. Regardez, un super ascenseur ici, on est bien. Secteur de la surface de Talon. Allons-y. C'est ça, non?
Une réserve de missiles, oui. Ah, laissez-moi, sale bête. Tiens. Ah. Bon, le site du crash. Et pirate de l'espace. Voilà, tu voulais voir un pirate de l'espace, tu en as vu un. Tu en as même vu deux. Ça, c'est pas beau. Pirates de l'espace. Ils sont blessés. Il est toujours aussi beau à l'eau. T'as vu ça? Ah, c'est sorti avant Halo, hein, je précise. Hein. Où est-ce que je vais? Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Ah! Mais non, il y a de l'eau! Ça va gêner ma progression. Oula, ah mais... Attends, mais c'est pas la station spatiale qui avait au début du jeu, en fait, là où on est. Un conduit d'énergie situé à proximité. Ah. Évidemment. Ah oh là là, qu'est-ce qu'on est malin. C'est le Nostromo, c'est ça. Oh, il va y avoir un alien qui va sortir. D'ailleurs, au passage, hein, les Metroid sont très inspirés de Alien à la base. Hein. Pour ça, le monstre qui s'appelle Ridley, par rapport à Ridley Scott, tout ça. Mais j'aime pas aller sous l'eau. J'ai pas encore la combinaison pour me déplacer normalement sous l'eau. Ouf. Alors cette zone est très cool, c'est l'épave, mais à mon avis, je peux pas y aller tant que j'ai pas la... Ouais, on va éviter d'y aller tant qu'on n'a pas la combinaison. Hein. Parce que sans la gravity suit, ça va être très compliqué. Vous me voyez, je me déplace à deux à l'heure. Oui, c'est bon, là, ça fonctionne et tout. J'ai carrément réinstallé complètement... le... Dolphin. Ouvre-toi. Ah, il y a un truc en dessous là. J'avais pas vu. Non, je n'ai pas analysé, d'accord. Hop. Voilà, hop. La sauce.
Et mange ma bite. Ah merci pour le follow. C'est quoi, c'est un follow? Non, c'est un beat. Ah ouais, faut que je m'habitue à mes nouveaux. C'est la faute à la manette, jeu de merde. Exactement, merci Sombre Lame. Heureusement que tu es là pour rappeler la vérité. Oh, mais il y a un passage là. Attends. Un passage sud-aquatique. Encore une fois, hein, c'est des trucs que tant qu'on n'aura pas le... La gravité, ce sera chiant. Bon. On doit donc retourner à Fendrana. Eh bien, nous y retournons de ce pas. Boss des abeilles. Ah oui, mais t'as quasiment pas joué au jeu en fait. En vrai, t'as quasiment pas joué au jeu si tu t'arrêtais au boss des abeilles. Fendrana, comment on va faire pour rejoindre Winchozo, caverne de Magmour. Winchozo. Surface de talon. Surface de talon. Je crois de toute façon le plus simple pour aller à Fendrana, c'est de faire depuis Magmour. Winchozo, mon Fendrana. L'ouest de la surface Talon. Okay. Bah, c'est pas vraiment un shoot, hein. Ok. Donc on va à droite et on va direction Magmour. Okay. On prend pas le premier TP, mais c'est celui d'après. Mais en vrai, t'as le lock, hein, donc vraiment, même si t'es pas bon au jeu de tir, tu tires et faut esquiver. Et j'esquive jamais rien. Faites pas d'effort, monsieur. En plus, avec la Wiimote, franchement, c'est tranquille. Ah, tu m'emmerdes! Allez, speedrun, speedrun! Voilà, direction Magmour. Tu préfères Fort... Ah, vite. Bah, moi non plus, hein. J'ai... Franchement, c'est un de mes premiers FPS... Enfin... Et encore, je trouve même pas c'est vraiment un FPS en soi... Thank you.
Mont Fendrana. Mont Fendrana. Bon, on va aller au plus proche. Hein. Et on s'orientera après sur place. Comme dit, hein, t'as le log, donc en vrai, même si une fois que t'es loqué sur un ennemi, hein, y a pas besoin de viser. Disons que ça demande des compétences qui sont pas forcément celles que t'as dans un shooter de base, tu vois ce que je veux dire. Je dirais plus que c'est un jeu d'aventure la première personne, vous voyez. Meurt. Et j'ai découvert récemment qu'on pouvait les tuer ces trucs là. Je suis revenu de là d'où je viens. Oh ce génie. Et suicide-toi. Rassurez-moi là, oui, c'est bon. Rien à foutre! Je connais le jeu! Il va falloir que je le fasse une première fois avant, hein, bon, pour découvrir. Faut pas dire on est nul, faut dire j'aime pas. Ah tiens, vous étiez pas là, vous, la dernière fois? Ah, ils sont chiants à se suicider quand ils meurent. Hein. Ah oui, donc il n'y a plus les tourelles en fait, c'est bien ça. Vu le bruit que je viens d'entendre, je crois qu'il y a toujours les tourelles. Ah non, c'est juste la plateforme qui bougeait. Mais quel con! Ah, tu as commandé R2 sur quoi? Sur PS4? Ou sur PC, enfin je sais pas. Ou à moins que ce soit le RE2 original. PS4, ok. Bon, let's go to Fendrana. Ouais, bah après, tu fais ça quand t'as envie, hein. Si là, tu te sens plus en mode RE2, joue à RE2. Hein. Alors. Fendrana, nous disions. Donc. Où est-ce que c'est là où on peut aller maintenant qu'on a le rayon de glace? Non, c'est pas par ici. Donc ça va être tout droit. Au niveau de la serre. Donc ça va être là-bas. Ah oui, oui, oui. Et là, t'es en train de me dire qu'il aurait fallu que je prenne l'autre TP. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a aussi le laboratoire. Bon, en vrai, que ce soit laboratoire ou quoi. Bon, de toute façon, on va progresser toujours tout droit. Nage droit devant toi.
Eh, on n'avait pas dit qu'on pouvait détruire ces trucs-là maintenant? Eh, si! D'accord, fallait juste le... Eh, mais c'est bon ça! Voilà, ça fait toujours plaisir. Petite réserve de missiles. Au calme. Ces ambiances là. Hein? Super robot Tyson. Ah, t'avais. Il y a un nouveau robot Tyson qui est sorti ou c'est le dernier qui est en date que t'as acheté? Ah, d'accord, donc t'es pas obligé de charger le rayon pour les tuer, d'accord. C'est bon à savoir ça aussi. Merci pour les bits. Je souscris à une garantie jeu neuf. Vous êtes bêtes. Laisse-moi là, je suis encore en vacances. Au moins jusqu'à dimanche. Bah j'ai jamais fait non plus. Oh, je suis allé dans la mauvaise direction. Ça regarde pas la map. Six mères, ça fait plaisir. Quand c'est dit aussi gentiment. Ah oui, d'accord, donc je suis pas du tout allé au bon endroit, mais genre pas du tout. Ça, par contre, toujours, hein, quand tu rentres dans l'eau, il aime pas. Hein. Oh putain! Oh non, tais-toi! Oh tais-toi! Alors, le rayon de feu, j'ai pas. Voilà. Donc, est-ce que là, ça va être enfin le bon chemin? Attends, il y a des portes au-dessus. Ah oui, il y a une porte là, en effet. On m'a zappé. Il arrive à me toucher d'en bas. Tu te fous de ma gueule? Voilà. Pas de temps à perdre avec vous, les nazes. Quel côté? Non.
Oui. On rappelle donc que c'était un boss. Voilà, et que maintenant c'est un mob random. J'adore la musique de cette zone. Ah bah les mechas c'est cool hein, moi j'en ai fait aucune de série comme ça, mais ouais. J'ai cru comprendre que c'était pas mal. Par où on monte ? Donc il nous manque un rayon. Il nous manque la gravity suit. Salut toi. Ah vous êtes plusieurs. Ah, ce qui est bien c'est que ça paralyse quand tu fais ce rayon là. C'est vrai que maintenant j'ai ça. Je l'avais pas à ce moment-là quand j'étais venu. Donc ça, c'était quand on était au labo. Et maintenant, on va où ? Oh non, pas le labo. Ah, quoique... On va plutôt passer par là, ça m'a l'air plus safe. Ça m'a l'air surtout d'aller plus vite. Ils sont fâchés, eux. Voilà, deux missiles, on n'en parle plus. Merci. Donc on rappelle ça, c'était la salle du boss à la base. Vous savez le boss où j'ai mis 40 plombs pour le buter ? Ah mais oui, on peut pas passer. Attends, si. Si, il y a un moyen de passer. Voilà, le disait bien aussi. Ascenseur, et là maintenant on peut y aller maintenant qu'on a la boule. On a la boule Clotaire, tout va bien. Voilà, et ça on pouvait pas l'ouvrir avant, maintenant oui. Alors. Nouvelle musique. Nouvelle zone. Donc ça,
Il va falloir un truc de chaleur pour pouvoir le péter. Ok, d'accord. Bon, dès qu'on trouve un point de sauvegarde, je fais une petite pause aussi. Donc là, on revient vers le labo. Ok, donc au final, ça remène quasiment au même endroit. Okay. Donc l'autre porte, elle doit être sous la flotte. Je te connais pas, toi. Biorga, ce prédateur est composé de deux entités reliées par des forces électriques. Le cerveau de cette créature se situe dans la moitié supérieure de son organisme, tandis que son cœur et son tube digestif occupent la partie inférieure. Reliées par deux forces électriques, ces deux entités semblent suffisamment bien fonctionner pour propulser le Biorga au sommet de la chaîne alimentaire aquatique de Talon 4. Oh, t'es sérieux? Attends, on est d'accord que c'est complètement par là qu'on me dit d'aller. Hein. Alors que j'essaie de tomber juste à côté. Bah non, regarde, tu fais pas les lois de la gravité, tout va bien, tu... On est bien là. Comment qu'on va faire? En plus, on ne peut même pas y arriver depuis un autre endroit. Là, c'est juste en dessous, mais j'ai rien pour y accéder. Bon, d'accord, de toute façon, je peux aller que là-bas. Chambre haute gravité, bon, ça c'est sûr, je vais avoir la gravity suit, mais du coup, moi j'aimerais bien l'avoir. Il y a un truc à faire, mais quoi? Oui! Ouais, attends. Bon, je reviens 2 petites minutes.